Allez, c'est parti! Les bonnes sur 1351, vous tous, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Les bonnes sur 1351, vous, de la part de Dandy 33 sur le secteur de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. De mon côté, j'ai pas mal de moustaches, j'ai pas mal de propagation là qui m'arrive. Il y a un QSO là qui se fait, la QSO allemand, je crois, là, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, là qui se fait en FM. Attends, là j'ai du mal à te clarifier un petit peu. Tu peux me revenir s'il te plaît, que j'arrive à me caler là sur toi là. Ok, enregistrer le break. Voilà, oui, c'est Eric que j'ai entendu derrière, que j'ai reconnu. Les bonnes surprises 51, toi Eric. Ça y est, Eric, bonne nouvelle. J'ai enfin récupéré le poste. Non, ça va, là, il suffit juste que je trouve un petit peu mes marques, puisque c'est vrai que, bon, il y avait longtemps que je n'avais pas utilisé, je n'avais pas utilisé longtemps, du coup, il a fallu que je retrouve un petit peu, là, de tout ça, là, que je me refasse un petit peu la main dessus, quoi, que je revoie un petit peu les réglages, ceci, cela. Et par la même occasion, j'ai piqué le micro là qu'il y avait là sur le RCI là pour mettre sur celui-ci. Quoi. Alors par contre, bon, j'ai dû mettre une PL coudée parce que là, c'était un petit peu la crise du logement là pour passer le micro. Hein. Eh oui, c'est sûr. C'est vrai quoi, ça fonctionne, c'est celui-là. Ah oui, oui, oui. Alors, attends, voilà. Et ah oui, par la même occasion, les stations en fréquence, les stations à l'écoute, là, je suis en train, comme à chaque fois, la première demi-heure, de faire une petite vidéo. Voilà, je suis en train de montrer en même temps, voilà, ok. Ouais, ouais, je suis avec, là. Ok, mais moi, c'est assurément, bon, je t'attends très bien calé, il n'y a pas de souci, c'est nickel, hein. Alors, je me suis mis, au niveau calage en fréquence, je me suis mis entre toi et Belphégor. Attends, j'allume la ventilation, voilà, parce que ça va vite chauffer. Voilà, je me suis mis entre tous les deux. Autrement dit, je suis sur le 27275.10. Voilà, Belphégor, je l'entends sur point 20, toi sur point 0, donc là, je me suis mis entre les deux. Ok, pas de soucis, mais 73, c'est le terme, c'est bon, voilà. Et puis nos prestations qui sont à l'écoute. Voilà, voilà, mais je croyais que tu étais parti en congé, c'est pour ça. Hop là, attends, excuse-moi, j'étais en train de lire un peu. Vas-y, reviens-moi, s'il te plaît, j'ai pas. Désolé, là, je t'ai pas entendu. Ouais, je croyais que tu étais parti en congé. Enregistrer le break. Voilà, il m'a tout cassé là, il m'a cassé la baraque. J'ai le poste qui a failli tomber par terre, tellement que là, il a pris 3G dans les dents. Hein. Hachi. Non, pour ma part, les congés, c'est fin dernière semaine d'août, première semaine de septembre. Voilà, ce sera à ce moment-là, quoi. Ok, bah si, il y a le break, tu peux faire rentrer, il y a le break. Au 14 arrière, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27, 0 27,
lui, là. Les 73 à lui, là. Oui, Belfegor, est-ce que t'as entendu Fabrice? Là, tu casses tout, tu casses la baraque là. Là pour le coup c'est les QSO là sur les autres départements là qui vont être lésés là. Et alors tu vois là, ça y est, là je suis vachement content là, j'ai récupéré mon 6009, il est branché et surprise du jour. J'ai moi aussi la chaudière qui du coup développe davantage que quand il y avait le RCI demi quoi. Ouais, bah après ça dépend suivant après comment sont accordés les postes et bien souvent ils sont pas tous accordés pareil et après suivant comment tu fais les réglages pour mettre la petite boîte de confort derrière et bien après ça pousse un peu plus les radios quoi, voilà. Ok, justement, puisque c'est toi de plus près, là, pour l'instant, je sais pas si Chameau fera un passage tout à l'heure, on verra bien. Est-ce que des fois, ce serait pas un peu trop fort, éventuellement, au niveau modulation? Ouais, il y a un petit peu de craquement derrière, un petit peu léger, là, pour moi, mais si, bon, après, voilà, on est à côté aussi, bon, on est à côté, bon, il y a quand même une vingtaine de bandes d'écart, mais oui, il n'y a pas de problème. Ouais, ça passerait un peu trop fort, c'est ça, éventuellement, ouais. Il faudrait que je baisse un petit peu le micro, c'est ce que tu me conseillerais un peu? Ouais, un petit peu, là, mais vraiment léger, à peine, juste pour éviter que ça chocrote un peu, là. Ouais, alors là, je suis un petit peu embêté, parce que alors là, il faut y aller au tournevis de précision par un trou minuscule qui est derrière le micro, c'est un petit peu short. Bon, d'accord, ok. Bon, je vais essayer de baisser la voix, voilà, ok. Je parle moins fort là ce coup-ci, là ça devrait être un petit peu plus sympa comme ça. Ouais, tout à fait impeccable, allez, fais retour, il n'y a pas de problème, ça marche. Ok, d'accord, et de ton côté, Eric, là ça donne quoi, là je parle moins fort là. Sur la modulation, moi j'aimais bien comment c'était au début, pour la longue distance, là, ça arrive clair, net, c'est pas criard, pour moi c'était impeccable quand c'était au début. Ah, j'ai simplement parlé moins fort, puisque là, le réglage du micro au niveau du poste, le mic gain au niveau du poste, c'est dans les menus, là, je sais plus comment y aller, et qui est bizarrement, je l'ai branché tout à l'heure sur l'ordinateur, impossible de communiquer entre le poste et le logiciel. J'ai réinstallé le driver, ça veut pas. Ça veut pas communiquer, bon ben c'est pas grave, il faudra que je regarde sur le bouquin comment je peux arriver à retrouver par la fonction funk
fonction, pardon, le réglage de mid-gain. Parce que moi je m'en rappelle, c'est le bouton bleu qui est carrément tout à fait en haut à gauche. Tu t'y appuies quelques secondes et après tu rappuies dessus et tu vas tomber directement. C'est le premier dans les menus. Et tu tournes avec le bouton pour diviser. Alors attends, j'ai vu il est 63, je crois, un truc comme ça. 63, c'est qu'il est à fond. Tu peux le descendre en le divisant. 63, c'est à fond. Oui, d'accord. Ah oui, je le diminue avec le bouton changement de canot, c'est ça? Oui, je crois que c'est celui-là, oui, où tu tournes pour diminuer, voilà. Vers la gauche. Ok, voilà. Attends deux secondes. Ok, voilà. Bon, je l'ai passé de 63 à 60. Donc déjà, il est plus à fond. Fabrice, est-ce que ça va mieux de ton côté? Parce que c'est vrai que le micro que j'ai, ben c'est le micro que j'avais branché sur le RCI. Hein, c'est-à-dire, c'est un Alan F24. Et le réglage du préampli se fait directement à l'intérieur par un tout petit tournevis de précision qu'il faut glisser à l'arrière. Et sur le RCI, ce réglage, j'avais dû le monter à fond, justement. C'est pour ça que là, ça poussait peut-être un petit peu trop. Fabrice, qu'est-ce que ça donne de ton côté, hein? J'ai un accrochage, il faut que je remonte, alors. Accrochage derrière, là, mais bon, hein, remets-le comme c'était, et puis on fera des essais un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de faire des essais, il n'y aura pas de problème. Donc, affirmatif, ben, de toute façon je préfère à la limite baisser le côté micro, ça sera plus intéressant. Donc voilà, je l'ai remis à 63 là au niveau du poste, voilà. Donc ça à moi de parler un peu moins fort, ça ira mieux. Eric, donc là pour pouvoir rentrer comme il faut dans la chaudière, et je rentre à 10 watts, comme j'étais sur le RCI pareil, 10 watts, et ça percute davantage. Voilà, c'est voilà, je vois l'aiguille là qui monte plus haut que ce que ça me faisait avant. Donc mais pourquoi pas, moi je suis preneur. Hein. Voyez la station que j'ai entendue derrière, je suis pas sûr que ça soit de chez nous. Les bonnes 73-51, la station du sud-ouest France, département 33, en avant. Ok, vas-y, fais-le rentrer parce que je l'ai pas entendu, à part l'allemand, c'est un allemand là qu'on entend, on a parlé, c'est tout ce que j'ai entendu, j'ai l'impression qu'on doit lui casser un petit peu les oreilles. Le break, en avant, sinon vas-y, hein, Fabrice, fais-le rentrer. Ouais, j'ai compris, la basse Normandie, les bonnes 73-51 à la basse Normandie du sud-ouest France. Voilà, je suis en les bonnes 73 du sud-ouest France de 14 Oscar Delta Romeo 002, QRZ local d'Andy 33, en compagnie de Fabrice. Fabrice, excuse-moi, j'ai zappé ton indicatif, qui lui est sur le département 24.
en compagnie de Eric, 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027, voilà, c'est la même personne, et en compagnie de Belphégor, qui lui est sur le sud du département 33, limite 47 de mémoire, si c'est ça, ouais, c'est bien ça. De retour, le sud de la basse Normandie. Je n'entends plus. On leur casse les oreilles au passage en même temps. Et tiens, pendant que j'ai le micro, les passionnés d'astronomie, n'oubliez pas, ce soir, c'est la nuit des étoiles. Voilà, donc on est le vendredi que je cherche, vendredi 7. Voilà, et c'est ce soir la nuit des étoiles. Voilà, alors s'il y en a qui veulent sortir la lunette astronomique, là c'est vers les 11h je crois, et vers les 23h il me semble. Et t'es pas, c'est ce soir, ça commence ce soir. Voilà, c'est ça, ça commence ce soir. Ouais, de mon côté aussi, le temps est couvert. Ouais, enregistrer le break. Oui, il y a Belphégor. Attends, je suis en train de me perdre. Je suis en même temps sur le chat. Ah oui, oh d'accord, comment j'écris à toi, moi? Oh, j'ai bégayé en écrivant à toi, là, sur le chat du forum. Ah si, c'est pas grave. Oui, Belphégor, vas-y, en avant. Oui, le break, c'est toi, Belphégor, en avant. Alors j'ai eu deux stations en même temps, voilà, j'ai eu deux stations lointaines en même temps, plus une troisième, ça devait être, il y a eu une YL aussi qui est passée, c'est arrivé de tout azimut là, Belphégor. Alors moi, je suis sur Sainte-Colombe, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Émilion. Voilà, tu prends la diagonale, Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion, je suis entre les deux, là, dans un trou, là, un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Ok, d'accord. Merci pour le retour de micro. Fabrice, ces jours-ci, là, on a écouté là, ta web radio. Là, justement, tu as mis un petit truc là, sur le groupe, là, sur Facebook. Et je suis allé écouter, c'est bien là, ce que tu fais, hein, c'est sympa. Hein. Il y a eu d'autres web aussi hein, qui sont allés écouter, là, parce que là, il y a une petite discussion qui s'est suivie un petit peu dessus. C'est vrai que c'est vraiment sympa ta web radio. Hein. Voilà, en même temps, comme ça a permis que tout le monde,
entendu le soir, la semaine et la journée en même temps que j'y suis, quoi. Ouais, je regardais qui c'est qui reprenait derrière, ok, ça ne concerne pas. Ouais, mais c'est vrai que là, c'est pas mal, et donc, oui, ça tourne 24h sur 24, alors. Ouais, ça tourne 24h sur 24, alors, il y a des programmes qui sont faits, et puis, à la semaine, là, il y a des programmes qui sont faits à la semaine, et après, il y a des programmes que je peux faire en direct tous les soirs, ou tous les week-ends, quand j'ai envie, quoi. Ok, d'accord, ok. Ah oui, donc à chaque fois tu choisis ta programmation, ça là, c'est pas un truc qui est préétabli très longtemps à l'avance, on va dire, pour la semaine ou le mois, c'est tu fais ça au jour le jour ou vas-y explique-moi. Alors je fais ça la semaine, voilà. Donc le lundi, c'est alors toutes les heures il y a les informations et après toutes les heures il y a le sport du week-end. Il y a toutes les sorties cinéma en salle le mardi, donc toutes les 1h, et après il n'y a plus rien. S'il y a les informations et la météo, après tous les jours de la semaine. Voilà. Et le lundi et le mardi, il y a le sport et sorties cinéma. Ok, d'accord. Et pour la petite vidéo, attends, je suis assez bon, ça tourne encore, il y a encore 7 minutes. Et quel est le nom déjà là de la web radio? Ok, alors c'est Web Radio Musique 24. Web Radio Musique 24. Ok, voilà, c'est dans la boîte. Oui, la France, bonsoir, 73, bonjour. Bonsoir, monsieur Delta Park. Ah, c'est dur, hein, non comprenons, ok? retour vers Eric. Ok, pas de souci. J'ai entendu parler à l'air, c'était Fabrice qui essaie de communiquer. Ouais, informatif. Ah, tu sais que Fabrice, il est multilingue, lui. Ok, Germany, please, QSO French, QSY, please. Hey, that's good, Mark Miles, please, he's good. À mon avis, avec ce que j'en vois, pourtant j'en vois pas grand chose, mais je dois les gêner parce que ils arrêtent pas de moduler dessus la fréquence. Ouais, non mais t'en fais pas, moi aussi je dois les gêner un petit peu. Hein. Ça, il y a des chances. Hein. Là, pour le moment je dirais pas. Mais il y a des chances que ça gêne un peu. Là, d'ici, allez, 5 bonnes minutes, là c'est bon. On pourra lâcher le morceau, mais là pour le moment je préfère pas. Quoi. Et comme quoi le QSO va bien plus loin qu'on peut s'imaginer. Et alors c'est très bien, mais en même temps ce qui est chiant c'est que on n'entend pas, mais peut-être qu'on moustache en même temps d'autres stations. Parce que si ça passe et si ça porte comme ça aussi loin, il y a certainement des stations sur d'autres départements locaux qui sont peut-être en AM, voire en FM, qu'on pourrait bien perturber un peu en même temps, quoi. Voilà, au cas où il y aurait un petit problème, je lis à toi Belphégor là sur le chat du forum, mais on verra bien. Ben je sais pas, je sais pas où il est passé, là j'ai pas de nouvelles pour le moment. Quoi. Ils ont dû voir que ça ne nous gênait pas, ils ont dû
ça peut le faire aussi, quoi, parce que c'est vrai que là il nous dérangeait pas, hein, au contraire, il nous permettait de nous couper le QRM qu'il y a derrière. Donc, faut toujours voir les bons côtés, quoi. Oui, que des bonnes choses, que des bonnes choses. Voilà. Bon, ben, y retourne. Ok, il y a un chouïa de relief un peu derrière dans la modulation. J'espère que c'est pas gênant, ça va. C'est... Je vois qu'il soit vraiment à peine. C'est tout bon là pour la modulation? Ouais, c'est toujours si bon, c'est bon, il n'y a pas de problème là, pour moi. Là, sur le secteur, ça passe toujours si bien. Là, je n'ai pas le signal là, vous voyez même la pile, puis sinon, c'est bon. Hop là, t'es parti en sucette là sur la fin là. Il y a quelque chose qui a saturé de ton côté. Ok, Chameau, je sais pas si tu es dans le coin. Retour de micro, Chameau, si tu es parmi nous. Non, j'y suis pour rien. Fabrice, c'est pareil, ça a chuté vachement. Non, j'ai rien touché non plus. Non, de mon côté, j'ai tout qui cartonne toujours pareil. Non, j'ai absolument rien touché, c'est pas moi. La modulation a baissé, oui, certainement, mais c'est pas moi. Ah, j'ai rien touché. Non, peut-être qu'il faut... Ah oui, voilà, comme ça, est-ce que ça va mieux? Là, je suis à 20 cm du micro, hein. C'est vraiment pas bon, c'est le pire. Ok, voilà, je me rapproche du micro. Qu'est-ce que ça donne? Vas-y, parle plus longtemps, mais ça devrait être trop bien, là. Ok, d'accord. Pourtant, je suis étonné. Au niveau du vu-mètre, là, ça bastonne toujours autant. J'ai le truc, là, qui monte vraiment à fond. Sur le wattmètre, j'ai aucune baisse de ce côté-là non plus. Peut-être que je parlais pas assez près du micro. Alors c'est assez contradictoire parce que... Attends, je crois que la pile est neuve en plus. Fabienne, la pile, j'avais changé il n'y a pas longtemps, c'est ça? Ouais, je crois. Oui, il n'y a pas longtemps, j'avais changé la pile. Eh bien, c'est justement, j'étais en QSO avec toi, je crois, ces jours-là. Non, là, ça devrait pas, quoi. Ah, c'est peut-être la propague, hein, qui d'un seul coup nous a décidé de nous faire baisser un petit peu le QSO, hein. Ouais, ben tu vois, là j'ai... Alors voilà, là je rééloigne, je suis à nouveau à 20 cm, voilà, pile en face du micro, 20 cm, et là maintenant je rapproche. Là je suis, comme j'aurais tendance à faire à chaque fois, me mettre un peu trop près du micro, et c'est là que c'est le meilleur. Bordel de merde. Chameau, bon bah visiblement Chameau il a eu autre chose à faire et il sera pas des nôtres ce soir. Belphégor, alors voyez un petit peu sur le chat. Ah, je vois que ça s'active. Je QRT, beaucoup trop de QRM pour moi. Ok, Belphégor, il y a beaucoup de monde ce soir en fréquence, hélas, qui sont pas trop de chez nous. La bonne soirée à toi et à plus tard, belle fédère. Je bois un café et je reprends un peu là. J'ai essayé de t'envoyer un message sur le secteur, mais ça n'a pas marché. Je te reprends là. Ok, du coup, je relançais un petit peu là. Je suis à la vidéo là qui vient de compléter un petit peu. Le 600 là, il est éteint. Voilà, comme ça au moins. Attends, et entendre un téléphone sonner quand on est à la radio, ça fait pas terrible. Hein. C'est pas génial. Alors, ce qui fait du coup le 600, il est éteint. Ton message, je l'aurai demain. Ouais. Et puis le café, moi aussi, tiens, j'en ai un café à côté de moi. Il va peut-être falloir que je me frotte parce que je vois qu'il est tiède. Hachi. Dans 10 minutes. Ok, d'accord. Bon, allez, ce petit bout de vidéo en plus viendra rejoindre le morceau. Donc voilà, c'est tout bon. Retour de micro, Fabrice. Ok, bon, mais...